Je me souviens comment M. George Soros a publié son plan, en anglais, dans une publication de Project Syndicate. C'était exactement le 26 septembre 2015. Et il a publié un plan. Il a dit qu'il est mon, je cite, « Il écrit les 6 composants de mon plan global. Je ne cite que 2 ou 3 points de cela. Tout d'abord, il dit très clairement, en 2015, que, je cite à nouveau, « L'Union européenne doit accepter au moins 1 million de demandeurs d'asile par an. » C'était le premier point. Deuxièmement, il a dit que le financement adéquat est crucial. Et il a proposé d'émettre des obligations en euros à long terme pour financer la crise migratoire et la prise en charge sociale, et de bien-être des migrants à leur arrivée dans l'Union européenne. Et un autre point qui est très important pour la Hongrie, qui implique directement le territoire de la Hongrie dans ce programme, il a dit que les citant des voies sûres doivent être établies pour les demandeurs d'asile, en commençant par les faire venir de la Grèce et de l'Italie vers leur pays de destination. Ce qui signifie les amener en Grèce, en Hongrie, puis les faire aller en Autriche. N'oubliez donc pas que ce dont nous parlons n'est pas une histoire accidentelle, ni une série d'histoires accidentelles sur 10 ans. C'est un plan qui est en cours. Il a été écrit, c'était publié, c'est connu. Nous luttons donc contre un gang organisé, appelé l'Empire de George Soros, et des ONG qui soutiennent tous ceux qui transgressent notre système juridique et notre réglementation, et finance des activités illégales contre notre nation. C'est pourquoi l'histoire ne concerne pas seulement la migration, mais aussi le fonctionnement de cette Union européenne, et comment George Soros a pu captiver les principales positions au sein de nombreuses institutions de l'Union européenne en achetant des députés et d'autres dirigeants afin d'exécuter le plan qui est écrit et qui est contre. Toutes les forces politiques chrétiennes et nationales, c'est contre nous. Il s'agit de changer l'Europe et d'éliminer et de mettre de côté tous les dirigeants politiques chrétiens, conservateurs et nationaux et les électeurs de l'organe décisionnel de l'Union européenne. Donc, il ne s'agit pas seulement de migration, c'est très important.